pour vous connecter à votre compte, vous pouvez passer par votre navigateur Chrome. Il y a un avatar en haut à droite. Il s'agit de s'y connecter en inscrivant votre adresse courriel du domaine, donc avec l'adresse de csmi.qc.ca, puis cliquez sur connexion et inscrire votre 851 avec votre mot de passe tel que vous le faites sur le bureau virtuel. Vous allez voir un message pour associer les données. Vous pouvez accepter en ce sens qu'il va pouvoir associer les extensions et les favoris que vous avez ajoutés à votre navigateur. Alors, quel que soit le poste sur lequel vous travaillez, vous pourrez avoir ces outils que vous aurez personnalisés dans votre navigateur. Alors, une fois fait, vous pouvez fermer les onglets qui se seraient ouverts et pouvoir accéder maintenant à votre Drive. Pour accéder à votre Google Drive, je vous propose d'ouvrir un nouvel onglet et d'inscrire Drive. Si vous êtes déjà connecté, votre compte pourra s'afficher et vous pourrez inscrire votre 851, mais cette fois-ci pour votre compte Google Drive, c'est différent. Si votre compte n'est pas affiché, vous pouvez tout simplement ajouter ce compte. Alors là, on y va encore de la même façon, on se connecte sur le bouton bleu. Ici, il y a un crochet, hein? Si c'est sur un ordinateur personnel, laissez-le, ce petit crochet, pour que vous puissiez accéder plus facilement à cette fenêtre de connexion. Sinon, bien, sur un poste multi-utilisateur, vous pouvez laisser décocher. Maintenant, vous accédez à votre Google Drive tout en étant connecté à votre navigateur Chrome sur lequel vont s'enregistrer vos favoris et extensions. Pour quitter la session, si c'est un poste multi-utilisateur, je vous suggère de vous déconnecter de votre compte Google Drive, comme ceci, ainsi que de votre navigateur. Alors, en cliquant sur l'icône et changer de profil, vous allez avoir accès en haut à droite à la suppression du profil. Ceci ne supprime le profil que sur le poste, mais vous conserverez tout par ailleurs lorsque vous désirez éventuellement vous y